Deux minutes pour booster la croissance de votre entreprise, un podcast productif proposé par Simple Seren. Attention au danger des factures impayées. Que représente exactement le montant des factures impayées? Un chiffre pour répondre à cette question et une comparaison pour bien comprendre ce chiffre. Le total moyen des créances clients en France représente en moyenne 774 milliards d'euros, ce qui est 7 fois plus important que le montant des facilités de trésorerie accordées par les banques. Donc, la première banque française, ce sont tout simplement les entreprises. Ce sont elles qui supportent les risques et les besoins en trésorerie de l'économie française. Le problème est que le délai de paiement s'allonge avec la crise. Et j'irai même plus loin. Le problème est que les crises se cumulent et que les délais ne cessent de s'allonger. Si l'encours moyen en 2019 était de 59 jours, il y aura un tas pas loin de 72 jours en 2021. Or, ce que les spécialistes d'une gestion saine des entreprises conseillent, c'est de ne pas dépasser les 30 jours afin de ne pas fragiliser la pérennité financière de votre entreprise. Cette recommandation stratégique a d'ailleurs été gravée dans la pierre, puisque la loi française LME de 2009 définit à 30 jours le délai de paiement maximal des biens et services. De plus, cette loi française a été renforcée le 12 mars 2013 par la Commission européenne, qui a voté une loi imposant également un délai de paiement de 30 jours dans tous les États membres de l'Union européenne. Quelques conseils pour réduire le délai de paiement. Tout d'abord, raccourcissez le délai contractuel de 30 jours à 10. Ceci permettra de déjà accélérer les processus. Ensuite, tentez des solutions qui génèrent les factures automatiquement, les envoient de façon autonome et proposent un lien de paiement électronique. Vous éliminerez ainsi les erreurs humaines et le temps perdu. Ces systèmes vont bien entendu également relancer vos clients en cas de retard. Et enfin, soyez courtois mais ferme. Avoir peur de relancer un client est une erreur. Vous avez livré, il est normal que vous soyez payé. À bientôt pour plus de réussite sur crm-pme.fr.